Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture Pokémon pas comme les autres puisqu'on va s'ouvrir tout simplement le meilleur item de l'année 2021, voire même le meilleur item de ces dernières années avec du coup l'Ultra Premium des 25 ans. Donc là au moment où je tourne on est fin octobre et je la sortirai du coup normalement vous la verrez pour le 24 décembre, je me suis dit que ça faisait l'occasion. Alors, je suis pas dans les temps par rapport à Célébration, mais peu m'importe, j'avais envie d'ouvrir ce coffret pour une occasion, et puis bah l'ouvrir pour Noël, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc bah sans plus tarder, je vais l'ouvrir. Je suis très très content de pouvoir vous ouvrir ça sur la chaîne, ça n'arrivera pas tous les jours. C'est quand même un très gros item qui coûte assez cher. Alors pour l'ouvrir. Alors j'espère juste que les cartes en métal et les promos sont en bon état. Et le reste m'importe moyennement. Enfin, m'importe maintenant. J'aimerais bien avoir aussi des bonnes cartes, hein, ça, je dis pas, mais voilà. Allez, c'est parti, on l'ouvre. Alors, je cache pas que ça me fait un peu mal de l'ouvrir. Hein. Voilà, c'est quand même un item que beaucoup de personnes auraient aimé avoir et auraient aimé garder peut-être scellé aussi, ou ouvrir, mais voilà. Vous pouvez voir un peu mon setup dans le reflet ici. Et donc. Bah, c'est parti. Alors, je crois que je l'ai à l'envers du coup, parce qu'il s'ouvre comme ça, si j'ai bien vu. Avec l'aimant, ouais. C'est tellement beau. Donc, avec un miroir, et du coup, les trois petites. Les trois petits. Je ne sais plus comment ça s'appelle, tiroir, j'ai perdu mes mots. Avec le magnifique livret qui, même lui, est en édition un peu spéciale. Avec du coup, le rappel de toutes les cartes, etc. Alors vous avez sûrement vu, moi je les ai pas encore ouverts, mais la valisette, donc j'ai pas encore ces trois promos là au moment où je tourne la vidéo, hein, vous l'aurez vu normalement. Là par contre je vais avoir ça, je suis très content de les avoir. Et donc le Véunion va arriver également, là au moment où je tourne la vidéo, bah il sort demain dans l'Epic Week. Donc là on est du coup le 25, normalement demain j'en aurai un, donc je vais pouvoir vous l'ouvrir aussi sur la chaîne. Et normalement vous l'avez peut-être déjà vu également sur la chaîne, donc voilà. Mais là celui-ci j'avais trop envie de l'ouvrir. Donc c'est parti. Le packaging est juste magnifique. De toute façon la boîte je vais la garder, hein. Je vais surtout pas l'acheter. Donc normalement là il y a les boosters, c'est ça, avec les deux cartes gold. Ok. Je ne savais pas qu'elles étaient là. Alors je vais pas les déblister dans cette vidéo. Je vais les garder très propres. Je vais le faire après la vidéo pour pas faire de bêtises. Donc là c'est que les boosters génération. Génération. Célébration, pardon. Donc que je vais mettre juste à côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'est ça. Il y a bien les 17 boosters célébration. Si on peut avoir une nouvelle carte dans la collection, au moins une. J'aimerais bien avoir au moins Noctali ou Dracaufeu ou Mewtwo, Mewgold, pardon. Si j'en ai une des trois, là, je serais très content. Mais si je peux en avoir deux, je serais encore plus content. Donc celui-là, c'est fait. Donc le Pikachu. Elles ont l'air d'être en parfait état. Ok. Alors je les manipule très précautionneusement. Je ne sais plus comment on le dit. Bref, vous m'avez compris. Oui, je stresse un peu pour l'ouverture de cette vidéo. Vous l'aurez compris également, mais je pense que vous me comprendrez. Donc ça, c'est bon. On passe ensuite au deuxième tiroir. Donc normalement, c'est celui-ci. C'est ça, avec les boosters. Du coup, règne de glace et style de combat. Ou il n'y a que du règne de glace. Non, style de combat, il y a. Donc ce sera style de combat en premier et règne de glace après parce que c'est ce qui m'intéresse entre guillemets le moins. Alors les promos je vais les mettre sur le côté, je vous les remontrerai à la fin de toute façon et comme ça vous voyez les boosters. Là il y a le code que je vais garder pour moi, désolé, mais surtout ce code là je vais le mettre bien précautionneux, bien de côté, voilà. Tac, et enfin les deux meilleures choses du coffret. Alors la vidéo sera peut-être un peu longue et du coup il y aura peut-être une coupure à un moment, même il y aura peut-être déjà eu une coupure parce que je vais la faire en plusieurs parties. Je peux pas faire plus que 20 minutes consécutives donc voilà, j'ai pas envie de faire de bêtises. Ça c'est quoi ça? Ok, je sais pas à quoi ça sert. Et du coup là on a le. Oh là 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 là! Je suis trop content. Pardon, mais je suis vraiment trop content. Ah oui d'accord, donc ouais c'est bien lourd. Donc la Pikachu. En gold qui est sublime, vraiment sublime. Et du coup, alors je vais pas la sortir de son écran hein, pour l'instant. Alors elle a pas l'air d'avoir de pète, ça a l'air d'être de la poussière, mais j'arrive pas à vérifier. Voici.
Ah si, elle a un petit pet sur le côté. Vous le verrez peut-être pas si là. Un tout petit pet ici. Elle a l'air d'avoir peut-être un pet ici également. Ou une perte de couleur ici. À vérifier en sortant. Mais alors je vous montrerai sûrement, je ferai peut-être un récap à la fin de la vidéo où je les aurai sortis. Mais pour l'instant, pour la vidéo, pour pas faire de bêtises, etc., je préfère être posé tranquillement pour les sortir. Là, je vous la montre juste comme ça. Et peut-être qu'à la fin de la vidéo, je vous la remontrerai sliver, etc. Et du coup, même le plastique est ce qu'il est. C'est marrant, c'est assez sympa. Je ne sais pas trop où les poser, donc je vais les poser derrière. Là, vous la verrez pas, mais vous allez voir ma tête à la place, mais c'est pas très grave. Donc, on a le petit pins que je vais garder bien au chaud également. On a le jeton en métal, très très beau. Et enfin, on a le Charizard. J'espère qu'il est en bon état. Parce que je n'ai vu personne l'avoir en parfait état, je crois. J'ai beaucoup d'amis qui l'ont eu, mais jamais en parfait état. Ça a l'air d'aller. Alors je vérifierai ça, pareil. Comme pour le Pikachu, je vérifierai ça après la vidéo. Au pire, là, j'aurais peut-être fait même une petite coupure, parce que j'ai peut-être été un peu long pour regarder les cartes. Mais je veux faire vraiment attention. Les cartes, en tout cas, ont l'air en assez bon état, donc je suis plutôt satisfait. Je sais pas s'il y a du grading, enfin si on peut les grader, je ne sais, pense pas le faire parce que ça m'intéresse pas spécialement. Mais voilà, du coup, on a vidé le coffret. Donc, le coffret, je le mets de côté parce que ça reste quand même une très 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 belle pièce. Je ne le néglige pas. Et puis, ben, on va passer à l'ouverture. Donc, je pense que je vais ouvrir ces boosters là. Ensuite, je ferai une pause, une coupure, une petite coupure. Et pour ouvrir les 17 boosters d'une traite, après, je referai une coupure et puis on fera le récap tranquillement. Et donc on commence avec du coup du style de combat à l'effigie du Playmate que j'ai derrière. Si on peut avoir un petit truc dans ces boosters là, je serais content. Parce que apparemment les tirages ont été plutôt bons sur ces boosters là. Donc je vois pas pourquoi je n'aurais pas de chance moi non plus. Tac, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors, style de combat, c'est pas celle qui m'intéresse le plus, mais même avoir un petit truc avant célébration, je serais content. Pachirisu, Kung Fuin, Balbuto, Monsieur Une de Galar. Je vais aller assez vite hein, parce qu'on les a déjà vus et que le coffret est assez conséquent. Fermite, Corbos, Aflamanoir, Noir, Seriflore, en rare reverse. Et derrière, on a rien du tout, on a Floramantis. Alors, je ne sais plus qui dans les commentaires m'avait demandé si j'allais. Si j'allais l'avoir et si j'allais oser l'ouvrir. Donc, comme quoi, oui, j'ai osé l'ouvrir. C'est un coffret que de toute façon, je voulais ouvrir. Donc voilà. Style de combat, toujours avec un Chiforce. Alors, je ne sais plus si c'est 1000 points ou l'autre, mais. Et voilà. Donc, oui, forcément, je l'ouvre, ce coffret. Je ne pouvais pas le garder scellé. C'est impossible. En sachant les magnifiques items qu'il y a dedans, je peux pas le laisser sceller. Je l'ai eu au prix normal, hein, je ne l'ai pas eu à 400 ou quoi que ce soit. J'ai eu encore plus du coup de chance de l'avoir au prix normal. Archéomyr, Skaknea, Spoink, Charbi, Viscuse. Ah, je me suis trompé dans le tri, je crois. Colossinge, Scalproie, ouais, je me suis trompé dans le tri. Dimotless, du coup on va faire attention. Sarah. Non, énergie 1000 points. Ah, bah j'ai un truc en plus. Victini en V. Alors, je ne suis pas sûr de l'avoir. À vérifier, mais je ne suis pas sûr de l'avoir. Par contre, j'ai fait n'importe quoi au niveau du tri. Pourtant, je pensais l'avoir bien fait, mais la preuve que non. Donc, tac, et les pochettes. Bien entendu, si j'ai ouvert le coffret, c'est pas trop pour les boosters, même s'il manque plein de cartes dans Célébration. Donc, ça fera aussi office pour ça. Mais c'est vraiment pour les promos et pour les cartes anglaises. En soi, les cartes anglaises qui ne sont entre guillemets qui sont moins rares que les promos en français, puisque les promos en français sont limitées, du coup, si je dis pas de bêtises, à 6000 exemplaires, alors que les promos anglaises sont dans tous les coffrets. Donc voilà. Mais bien entendu, les cartes en métal valent plus cher parce que bah, cartes en métal, etc., etc. Ça va être le récap, donc ça va aller là. Hop.
Premier booster, Règne de glace. Mais mine de rien, ouais, y a pas mal de boosters dans cette, cette box. Donc, bah, c'est un très très bel item quand même. Faut pas se leurrer, faut pas dire l'inverse. Hein. Après, je mettrai pas à 400 quand même. Mais c'est un très bel item. Alors, on a Morpheo, Bibichu, Galekid, Tarsal, Venipat, une énergie feu, Lapiro, Rouleau céleste 1000 points, Kirlia, un Poulpaf en commune reverse, et derrière on aura une... Oh bah, oh, Brazégalivé. Ok. Alors lui, je l'ai déjà, parce que je me souviens que j'étais content de l'avoir eu. Parce que c'est l'AV que je veux, que je voulais de la série. Et si je peux l'avoir en full art et en alternative, ce serait encore mieux. Mais il faut peut-être pas trop en demander non plus. Pour l'instant, on est sur du type feu. On continue. Deuxième booster, Reine de glace. Hop. Ah, j'ai oublié le code à l'intérieur. C'est pas grave, il reste que le code. Ouais, il reste que le code. Hop. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oula, elle est vachement claire celle-ci. Elle est beaucoup plus claire que les autres cartes. Allez. On aura Blizzy, Zébivron, Fantominus, Smogo, Cadoiseau, Énergie Psy, Saturnin, l'énergie qui est très très mignon, Sophora, en peu commune reverse on aura Docteur, et derrière on aura rien du tout, on aura un Galekid en rare. Alors d'habitude je le précise en fin de vidéo, mais n'oubliez pas de mettre un like quand même pour cette vidéo, au moins celle-ci. Et puis n'hésitez pas à partager pour une fois, parce que c'est pas non plus une vidéo comme les autres, donc ça me ferait très très plaisir de, que vous la partagiez. Que celle-ci soit un maximum vue. Je vous le demande pas souvent, voire jamais d'ailleurs. Donc voilà. Si c'est possible, merci. Hop, un petit hop code. 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, deux ultras sur les ouvertures classiques, c'est plutôt pas mal. J'en demande encore. Allez, Morpheo. Coxie. Gringolem. Poulpaf. Énergie métal, gant justicier, énergie chance, Porygon 2. Un peu comme une reverse, on aura un Lapiro, et derrière, on n'aura rien du tout avec un Cup Canaille. Hop là. Allez, booster suivant avec encore un Articodin. Ah oui, cette fois-ci, je ne les ai pas triés par l'illustration d'ailleurs. J'aurais pu. Si certains d'entre vous ont eu la chance également de l'ouvrir, hein, n'hésitez pas à me le dire et à partager vos tirages. 3, 4, 1, 2. Ça m'intéresse. Pour l'instant, j'ai vu que les tirages étaient plutôt bons. Enfin, plutôt corrects, on va dire. Morpheo, Quillfish, Tarsal, Scarino. Morpheo, encore un. Énergie combat. Scobolide, Narcisse. Galégon. Un Watt-Watt en commune reverse. Et derrière, on aura une simple rare avec Blizzaroi. Il nous reste deux boosters Règne de glace. J'aimerais bien avoir encore un petit truc. Ça va là. Ou sinon, si on peut avoir des choses dans Célébration, je ne dis pas non. Allez, booster Elector. Ça en fait des boosters à ouvrir. Mais ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je voulais peut-être tourner une autre vidéo après, mais je pense que... le quota me suffira, et puis en plus là, je sais pas trop si ça se voit, mais il commence à faire sombre. J'ai mis une petite lumière pour m'éclairer, comme d'habitude, mais je sais pas si ça va suffire. J'espère que ce sera pas trop sombre à la caméra. Alors, on aura Smogo, Cadoiseau, Canartichaud, pardon, Porygon, Scarino, une énergie métal, Gant dévastateur, Kirlia, Gant justicier, en commune reverse, on aura un Rocabo qui joue dans la neige. Et derrière, on aura rien du tout avec un Galeking, qu'on a déjà eu en plus. Allez, dernier booster classique et après on passera aux célébrations. Je ferai une petite pause, hein, je vous le rappelle. Petite coupure, juste histoire de tout relancer pour pas qu'il y ait de problème.
Ça m'embêterait de louper, de pas filmer une partie de ce coffret. 3, 4, 1, 2. Ça m'embêterait beaucoup. Hop. On aura un Youchours, Bibichu, Larméléon, Croquine, Coiffarel, Energy-O, Porygon 2, Badaboin, Corne résonante en rare reverse. On aura un Cup Canaille qu'on a eu juste avant en rare. Et derrière, on n'aura rien du tout. Ah si, on aura une holographique, ouais. Avec Chiffourse 1000 points. Bon, les boosters classiques n'auront pas été très chanceux. Et donc, on se retrouve tout de suite pour l'ouverture des boosters Célébration. Et donc, c'est parti pour la deuxième partie de la vidéo avec l'ouverture des boosters Célébration. Donc, je ne les ai pas bougés. Hop, on a toujours les 17. Ça fait plaisir d'avoir autant de boosters dans la main en espérant avoir beaucoup de cartes réédition et des cartes que je n'ai pas. Il m'en manque pas mal. J'en ai 14 sur 25, je crois. Et il manque les 3 qui tombent le moins. Donc, Noctali, Dracaufeu, Magikarp, Brillant. Et il manque aussi la Gold. C'est la dernière carte de la série classique qu'il me manque. J'aimerais bien tomber au moins une des 4. Ce serait bien. Je pense que j'en demande pas énormément en autant de boosters. Alors, on aura. Prendre le booster, on va le mettre là. On aura Kyogre. Oh. Derrière. On aura. Ah, bah une première avec. Gardevoir X, que je n'ai pas eu, je crois. Non, je ne l'ai pas eu. Gardevoir X, je ne l'ai pas eu. Et ça, c'est cool. Eh ben, je suis content. Derrière, on a quoi? On a un petit Luna là. Bah, première réédition et carte que je n'ai pas. Donc ça, c'est cool. Je suis très content. J'en perds mes pochettes. Gardevoir X. En plus, c'est bien parce que j'ai pas de double. Et même les doubles, entre guillemets, que je peux avoir. Alors, j'espère que le karma va pas me rattraper. Mais les doubles que je peux avoir, c'est pas des doubles négligeables. Genre, j'ai eu Florizarre 3 fois. Donc, au final, c'est pas des doubles mauvaises, quoi. Donc, Gardevoir X. Ok. Ouais, la nuit commence à vraiment tomber. Je vais essayer de faire vite, mais pas trop non plus. On va en profiter. Hein. Hop. Allez, second booster. Bon, ça fait une de plus. Je suis à 15 sur 25. Donc, normalement, si je me trompe pas et que Gardevoir, je l'avais pas. Mais normalement, je l'avais pas. Allez, Xerneas. Oh. Derrière, pas de réédition avec un Zekrom. Et derrière, on aura un Mew en holographique. Donc un booster, somme toute, normal. Ou en tout cas, mauvais. Troisième booster. J'espère que tout fonctionne bien. J'aimerais pas louper. Hop. Le tournage. Allez, Lugia. Groudon. Derrière, pas de réédition. Avec un Yveltal. Ah oui, c'est ça. Il y a le Noctali, ouais, que je voudrais vraiment. Si vraiment je dois en avoir une, ce serait le Noctali. Je veux à tout prix Noctali. Enfin, pas à tout prix, parce que sinon je l'achèterais, mais. Je me comprends. Allez, j'en suis au quatrième booster. Pour l'instant, les deux derniers n'ont pas été dingues. J'ai rien eu dedans. Hop. Le petit code. Pas de tri. Surtout pas de tri. Yveltal. Palkia. Pas de réédition. Avec un Groudon. Et derrière, on aura le Pikachu. Ok. Bon, qui tombe très 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 souvent. Mais ça fait quand même plaisir. Ça fait une carte quand même. On se dit pas qu'on a ouvert le booster pour rien. Tac. Allez, booster suivant. Ça s'ouvre assez vite, 4 booster, 4 cartes. Du coup, des boosters de 4 cartes, ça s'ouvre très très vite. Donc voilà, hop, allez. Un petit Kyogre. Cosmog, derrière, on aura une réédition avec une GX. Tocopillon GX, que je n'ai pas. Et qui apparemment est assez rare. Elle tombe assez rarement, donc je suis très content. Et derrière, on aura un Pikachu volant.
Bah ça c'est typiquement le genre de booster que je veux, parce que bah j'ai une carte que je n'ai pas et derrière j'ai une carte supplémentaire. Donc Tocopillon GX que je n'ai pas. Donc ça me fait 16 cartes sur 25. Allez, ça complète. Toujours pas de double. Moi je ne dis pas non. Pourvu que ça continue. Avec un magnifique Tocopillon. Ah, pour l'instant je suis très 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 content. J'ouvre un coffret magnifique. L'état des promos, des gold, enfin des cartes en métal est dans, elles sont en magnifique état. J'ai des cartes que je n'ai pas. Franchement, je peux pas me plaindre. Je suis très 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 content. Alors, le code, il va là. Hop, Yveltal. Kyogre. Derrière, on n'aura rien du tout avec un OO. Et derrière, on aura un Pikachu Surfer. On vient d'avoir le volant et maintenant on a le Surfer. Donc toutes ces cartes-là, hein, je les ai déjà. Mais ce n'est pas grave. Moi, ça me va. Du moment qu'il y a un petit truc dans un booster, moi, ça me va. C'est pas un mauvais booster tant qu'il y a des choses. Il me reste 2, 4, 6, 8, 10, 11 boosters. Ah ouais. Ça fait plaisir, mais waouh. Ça en fait du booster. Pas de tri. Palkia. Oh. Ah, une réédition. Ah, c'est Kaorin ça, non? Ah, au Groudon. Ok. Je l'ai déjà eu. Je l'ai déjà eu. C'est une petite double, mais c'est pas non plus une mauvaise double. Donc ça va. Et derrière, on a juste un Solgaleo. Ok. Bah, une troisième réédition dans cette ouverture sur du coup les 7 premiers boosters. Ça fait quasiment une tous les deux boosters, c'est plutôt pas mal. Donc je vais pas trop plaindre. Allez, booster suivant. On profite, on profite. On aura Cosmog, Xerneas. Derrière, on aura un truc. Luxray. En niveau X. Ok. Plutôt pas mal. Et oh bah Pikachu derrière. Ok, d'accord. Bon bah comme ça c'est fait. Alors le Luxray, je ne sais plus si je l'ai. Alors je pense que pendant le. Après l'ouverture, je ferai un. Comment dire? Je ferai une coupure dans laquelle bah du coup je protégerai toutes les promos. Et je sortirai peut-être aussi toutes celles que j'ai déjà eues. Pour faire un récap et voir celles qui sont. Parce que toutes les cartes, en fait, je les ai déjà vues dans des ouvertures. C'est aussi pour ça que je ne sais plus si je les ai ou pas. La Luxray, par exemple, je ne l'attendais pas particulièrement, mais si je ne l'ai pas, bah, je suis content, mais je l'ai déjà vu dans des vidéos. Donc ça me marque moins. Noctali, Dracaufeu, Magikarp et Mewgold, je sais que je ne les ai pas, parce que bah, je les veux à tout prix et que je ne les ai pas eus, quoi. Il y a le Mew X aussi que je n'ai pas eu, mais que j'aimerais beaucoup avoir. Enfin bref, toutes. Du moment que ça complète, je les veux. Hop, je n'ai pas eu. C'est qui? Tortank aussi. J'ai pas eu de Tortank. J'ai eu que Florizarre. Mais ça, au pire, j'ai quelqu'un qui peut me l'échanger. Allez, Groudon. Kyogre, derrière. On aura une réédition encore. Avec la pierre des rééditions, malheureusement. Voilà, c'était le type de. Je la voulais pas, elle. En réédition, je la voulais pas. Et derrière, on aura un Zacian en V. Alors pourquoi je la voulais pas? Parce que typiquement c'est une réédition dont tout le monde s'en fout, pour être clair. Hein. Je sais même pas pourquoi ils l'ont réédité parce que dans Team Rocket Returns, il y avait tellement de cartes à rééditer autres que celle-ci. Rien que les trois stars, Gobou, Arco et Poussifeu Star étaient tellement mieux. Et je rêve d'ailleurs d'avoir ces trois cartes-là. Mais bon, ils ont décidé de rééditer une admin, Rocket. Je ne comprends pas trop pourquoi. Mais voilà. Hop. Alors, on aura Dialga, Lugia, une réédition. Ah, c'est Mélo. Ouais, c'est Mélo. Bon, encore une double. Et encore un Pikachu. Il tombe tout le temps, vraiment, ce Pokémon, c'est un truc de dingue.
Donc encore des doubles, mais mine de rien, ça fait du bon tirage quand même. Niveau quantité d'ultra rares, ça fait de la quantité. Ça fait pas mal et bah, je suis pas mécontent. Les Pikachu, je vais commencer à me faire un binder que de Pikachu, je pense. Je pense pas les vendre. Je pense que je vais m'amuser, je vais faire un petit truc sympa avec, en avoir le plus possible. Il y en a qui le font déjà, mais avec toutes les ouvertures que je fais, je sais pas. Je pense que je vais les garder. Parce que les vendre 1 € ou les garder, autant les garder, quoi. Hop. Alors, on aura Xerneas, Kyogre. Derrière, on aura encore un truc avec Kaorin cette fois-ci, que j'ai déjà, malheureusement. Mais ça fait quand même une ancienne. Et derrière, on aura encore un Zacian. Et bah, dis donc, on les enchaîne. Alors, c'est pas les meilleurs, mais on les enchaîne. Et moi, je dis pas non. Je pense que je l'ai beaucoup dit dans cette vidéo, mais. Mais c'est pas grave, ouais, là je vois que ça fait une belle pile de d'ultra rares. Il me reste 6 boosters, donc 6 boosters, ça va. Et il nous reste encore de quoi faire, avec un peu de chance. Ça va le faire. Allez, c'est parti. Allez, au moins une carte que je veux. Après, j'ai déjà eu Ctocopillon et Gardevoir, je dis pas, mais c'est pas celle que je voulais le plus, vraiment. C'est pas celle qui coûte le plus et qui sont le plus compliquées à négocier. Alors, Palkia, Groudon, non, pas de réédition avec Xerneas, et derrière, on aura un simple Mew. Allez, s'il vous plaît, plus que 5 boosters. Dans tous les cas, même si j'ai rien, je serais quand même content du tirage que j'ai eu. Les promos sont en bon état, comme je vous l'ai dit, donc dans tous les cas, je suis content. Mais si je pouvais avoir un peu plus, je dis pas non. Alors, Palkia, Dialga, pas de réédition avec Xerneas, et derrière, ah, une VMAX, bah Pikachu volant VMAX, bah deuxième fois que je la tombe pas si souvent que ça, enfin pour moi en tout cas, donc je suis plutôt content de l'avoir, avec le petit avion de Pokémon Center, je crois qu'il était sorti qu'au Pokémon Center cet avion-là, en maquette. Allez, il nous reste 4 boosters. Allez, s'il vous plaît. Encore une ou deux petites rééditions. Je dirais pas non. Pas d'admin roquette. Et ça me va. Allez, tac. Cosmovoom. Palkia. Pas de réédition. Reshiram. Et derrière, on aura un Pikachu Surfer. Si même en ultra, on commence à voir la même chose, ça va être un peu triste, malheureusement. Allez, plus que 3. Oula, la dernière carte, elle est très abîmée. On aura Groudon, Cosmog, pas de réédition avec Yveltal. Et derrière, un Pikachu, encore une fois. On le voit vraiment trop, il tombe tout le temps. C'est impressionnant. Mais je le protège toujours. Allez, avant-dernier booster. On aura eu deux nouvelles cartes dans cette ouverture. C'est quand même en 17 boosters. De toute façon, je vais plus ouvrir grand-chose maintenant, donc j'aimerais bien avoir quelque chose quand même. Yveltal, Zekrom. Derrière, on a un truc avec Professeur Chen. Ouais, Professeur Chen, malheureusement. Et derrière, on a un Pikachu Surfer. Professeur Chen que j'ai déjà. C'est pour ça que je dis malheureusement. Mais c'est quand même une carte réédition. Donc, ce n'est pas grave. Enfin, c'est moins grave. Tac. Et on finit le dernier booster. Allez, on croise les doigts pour avoir une carte, une dinguerie dedans. Juste pour le dernier booster, ce serait vraiment cool. Alors. Allez. On aura Groudon. Yveltal. Non, pas de réédition. Kyogre. Et derrière, on aura un truc, mais c'est Zamazenta.
Aïe, 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 je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu dans le sens où j'aurais bien aimé quand même avoir au moins une des quatre que je vous ai citées. Soit Dracaufeu, soit Noctali, soit Magikarp, ou soit Mugold, mais j'en ai eu aucune des quatre, malheureusement. Donc je vais faire la petite pause que j'avais prévue, et puis je vous retrouve juste après pour le récap, le temps de m'occuper tranquillement des promotionnels, de pas les abîmer. Et pareil pour les cartes en métal. Et puis je vous dis à tout de suite pour le compte rendu. Et du coup, comme promis, on se retrouve pour le récap. Et donc celui-ci a été très bon, mais j'aurais préféré avoir d'autres cartes. Mais bon, on peut pas tout avoir. Déjà, je suis très content pour certains points que je vous présente à la fin de la vidéo par rapport aux deux cartes en métal. Mais tout d'abord, du coup, le récap. Donc, on aura eu pas mal de cartes. En vrai, ça fait beaucoup. Donc déjà, dans les deux, dans le début, on aura eu un Bras Égalivé de 1000 points dans ses styles de combat. On aura eu un Victinivé dans Règne de Glace. Non, non. Non, c'est l'inverse, pardon. Règne de Glace, et ça, c'est style de combat. Excusez-moi. Ensuite, on aura eu un Zacian V dans Célébration. Un second Zacian V dans Célébration. Un Zamazenta. Non pas 1, ni 2, ni 3, je crois. C'est ça, mes 4 Pikachu du set de base en version un peu fat. Donc on va mettre quand même ça. On a eu du Pikachu Surfer x1 x2 x3. Un Pikachu volant qu'on a eu en x1, je crois. Ouais. Et un Pikachu volant qu'on aura eu en VMAX. Derrière, on a les rééditions. Donc que je vais remettre peut-être par-dessus parce que ça prend quand même beaucoup de place. Donc l'admin Rocket qui est la moins bonne. Le Mélo. Le faux professeur Chen. Kaorin. Luxray. Donc j'ai vérifié, je l'ai bien déjà, hein, le Luxray. Donc voilà. Tout comme le Groudon, j'avais pas dit de bêtises, je l'avais déjà. Par contre, ce que je n'avais pas, c'était le Gardevoir X. Donc ça, c'est, je suis très content de la rajouter à ma collection. Donc ça fait une de plus. Et même chose pour le Tocopillon. Je ne l'avais pas. Donc ça fait une de plus. Et enfin, on finit avec les deux promos. Donc les deux gold. Donc la Pokéball que j'ai double protégée. Hein, qui est magnifique. Qui est en bon état. Il y a un petit point blanc. Mais bon. Pour moi, ça va. Ça va. C'est pas non plus. Et le Pikachu V. Donc pareil, un petit point blanc. Donc je vous l'enlève pas, hein, mais en gros là, ouais, un petit point blanc, un petit bord qui est un peu abîmé, enfin pas abîmé, mais un peu frotté, mais ça fait, voilà, je sais pas si vous me comprendrez, mais en vrai l'état est plus que correct, je suis très content. Et enfin, du coup, je vais commencer par le Pikachu, donc que j'ai mis sous pochette hein, et que j'ai remis dans le boîtier. J'ai vu que certaines personnes avaient fait ça et je trouve ça plutôt intelligent. Donc elle a un petit défaut juste ici. En bas, elle a un. Ah bah attendez, je vais peut-être la sortir. Tac, pour vous la montrer quand même. Hop, je fais attention, bien sûr. Alors, elles sont bien lourdes, hein. Mais comme ça permet de ne pas mettre mes doigts directement dessus. Donc, elle a un petit défaut sur la face. Elle l'avait où le défaut? Un tout petit défaut en bas, je crois. Mais sinon, la face est très très propre. Donc, ça, c'est ce qui m'importe. Et au dos, elle a une petite bulle de peinture juste ici. Donc vous voyez, c'est en relief. Donc voilà, juste ici. Et elle a un petit pet là. Mais c'est tout ce qu'elle a. Donc je suis très content, très satisfait de l'état. Il y en a qui ont eu bien pire. Donc voilà. Et je la remets donc dans ce petit boîtier. On va faire attention. Comment j'ai fait tout à l'heure? Comme ça, voilà. Tac, pour l'instant le boîtier, ça fera office de protection. Donc voilà. Et enfin le Dracaufeu en métal. Donc pareil, je vais vous le sortir pour vous le montrer quand même. Donc pareil, je l'ai protégé avec une seule sleeve, hein, une Profit. C'est juste histoire de ne pas mettre mes doigts dessus en fait et de la protéger. Et du coup, elle a quasiment pas de défaut. Elle n'en a qu'un seul, enfin que j'ai vu. Et c'est tout en bas, si j'arrive à vous le montrer. Juste ici, elle a un tout petit défaut. Alors là, c'est juste de la saleté. Mais là, un tout petit défaut. Je sais pas si j'arriverai à vous le montrer juste là. Mais vraiment, c'est tout ce qu'elle a. Le dos est nickel. J'ai vu beaucoup de Dracaufeu avec des pets dessus. Et donc moi, j'en ai pas. Donc je suis très très content.
Sincèrement, c'est une des Dracaufeux que j'ai vu en meilleur état. Donc, je suis très satisfait de ça. Et donc voilà, je la remets sous son petit boîtier plastique parce que ça permet de bien protéger, mine de rien. J'ai quand même mis une pochette pour que si j'ai envie de les retirer, je mette pas mes doigts partout. Mais voilà. Et du coup, bah voilà, c'est fini pour cette grosse, grosse ouverture de Noël. J'espère que celle-ci vous aura plu. Moi, en tout cas, je me suis fait super plaisir en ouvrant cet item. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas vraiment de mettre un like cette fois-ci, ça me ferait vraiment très très plaisir. Vous pouvez commenter, hein, j'adore discuter avec vous, ça y aura pas de souci. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez également partager pour cette fois-ci la vidéo, parce que c'est pas non plus une vidéo que je ferai tous les jours, donc voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon réveillon et un bon Noël pour ceux qui le fêtent. Et je suis pas sûr de sortir une vidéo la semaine prochaine, à voir si je le fais ou pas. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!